Bonjour, c'est Baer avec vous. On continue la formation sur Drupal 8. Pour cette vidéo, on va revisiter l'API Form. Si vous vous rappelez, dans la dernière vidéo qui concernait l'API Form, nous avons vu comment créer un formulaire, valider les entrées données par l'utilisateur et enfin les soumettre. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va voir cette fois-ci comment un formulaire, plutôt on interagit avec la base de données, avec une base de données à partir d'un formulaire. Alors, donc, première étape, c'est de créer un module. Donc, on va reprendre le même module qu'on a créé la dernière fois avec l'API Form, et puis on va plutôt ajouter première chose, la structure de la base de données. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va créer notre module. Donc ça, je vais appeler ça, pardon, formulaire D8 V2. Ensuite, je vais créer, alors on va voir, dossier source. Ensuite, le dossier forme. Et enfin, on va créer notre fichier subscribe. Donc, on va rien faire de particulier, c'est juste reprendre ce qu'on a déjà fait la dernière fois, hein. Mais évidemment, il ne faut pas oublier de changer le namespace. Très bien. Ensuite, on crée notre fichier info.yaml. Alors, on va copier ici. V2, on enregistre. Drupal 8 V2 point info point YAML. Et également le fichier routing pour accéder à notre formulaire. Donc je vous conseille au cas où de revenir vers la vidéo. Je vais mettre le lien dans la partie descriptif de cette vidéo. Alors, ici, je vais changer la route V2. Il ne faut pas oublier de changer également le chemin vers le formulaire. Et je pense, on est bon. Routing.yaml. Excellent. Alors, donc là on a créé, on va dire le béaba pour créer un module. Maintenant, on veut créer la structure de la base de données. Et pour y faire, on va ajouter un nouveau fichier, c'est le fichier install. Dans ce fichier install, on va utiliser le hook schéma pour créer notre structure. Et si on va aller dans la documentation, on peut voir ici comment on peut créer le hook schéma. Donc là, je vais mettre encore une fois aussi le lien dans le descriptif de cette vidéo. Alors, hook schéma. Donc le hook schéma permet tout simplement de créer une structure d'une table qu'on veut ajouter à notre base de données. Alors on copie tout ça.
On va pas en prendre tout. Voilà. Change layout. PHP, très bien. Donc là, comme d'habitude, c'est le nom de notre module. On remplace où par le nom de notre module. C'est forme d8 v2. Ensuite, ici, on aura en fait les champs qui vont, les colonnes qui vont contenir notre table. Donc cette table-là, par exemple, je vais l'appeler forme 1. On peut créer plusieurs tables au cas où, hein. Donc c'est comme vous voulez. Alors ici, on peut par exemple paste table for forms par exemple. Ensuite, les différents champs qu'on a déjà créés dans notre formulaire et puis dans la table, ce sont les colonnes. Alors si on regarde, qu'est-ce qu'on a comme champ? Donc on a first name, sachant que ici le premier champ qui est important c'est le champ ID. Toujours il faut avoir un ID dans notre table. Puis alors version ID on va pas utiliser. Par contre ici on va commencer maintenant par remplir. On a first name. First name of this form. First name. Ensuite, on a, je pense, last name. Idem. Alors, index, on ne va pas utiliser des index. Ça, on n'aura pas besoin. Idem, vous pouvez utiliser des clés uniques qu'on ne va pas utiliser. Des clés étrangères, on n'a pas besoin des clés étrangères. Voilà. Alors. En train de voir ce que donc ça on a donc on a ici field, c'est dans field on va remplir tous les champs et ensuite on a en fait les spécificités du tableau. Donc ici par contre on va mettre la clé primaire, ça va être ID qu'on a déjà rempli ici. Par contre il reste encore des champs à remplir. Alors l'autre champ on a ici c'est gender. Ensuite, on a birthdate. Alors, birthdate. Ça va être plutôt un int. Puis on va donner par exemple 127. La taille. Vous pouvez toujours trouver en fait le type de colonne. Alors j'ai déjà préparé, je ne sais pas si j'ai déjà, voilà, type de colonne. Donc vous pouvez voir en fait quel type de colonne vous pouvez mettre. Donc tout existe déjà. Encore une fois, la documentation Drupal est très importante. Essayez toujours d'utiliser pour ne pas vraiment tomber sur des petites erreurs que vous pouvez éviter facilement. Bien. Alors, qu'est-ce qui reste encore? Birthdate et email.
On est bon. Alors, on récapitule. On implémente notre hook schéma. Dans notre hook schéma, on va déclarer notre structure de notre table. Donc ça, c'est la première table, forme-a. On peut appeler forme-2n, etc. Donc là, il y a les champs qu'on peut remplir. Donc comme par exemple ici description. Après, il y a les champs feed qui correspondent, pardon, aux vrais champs qu'on a déclarés dans notre formulaire, ce sont les colonnes de notre table. Et enfin, il y a en fait les colonnes spécifiques, genre les étrangères, genre la clé primaire, les index. Donc là, ça vous pouvez déclarer plus tard. Après, en fait, la clé fields. Donc là, notre clé primaire, ça va être ID. Excellent. Donc on va aller maintenant dans notre. Module et on va voir si on peut installer ou non ce module-là. Alors, on a forme D8. On va voir notre base de données. Donc déjà, on n'a pas en fait cette table-là. Excellent. On installe. Alors, invalide for birth date. Il y a un problème avec un brief date. Ça n'existe pas, brief date. C'est birth date et puis puisque normal c'est pas un entier donc ça doit pas être vide. Alors cette fois-ci ça a marché. Donc là vous avez compris le problème c'est quoi? C'est qu'on a déclaré un entier alors que ici la valeur par défaut c'est un vide, c'est un chaîne de caractères alors qu'on ne va pas accepter, c'est normal. Donc on enlève ça pour que ça marche. On rafraîchit. J'ai installé, mais on va l'enlever parce que c'est mal fait. On va arriver. Très bien. Pas d'erreur. On essaie encore une fois. Forme de 8. Installe. Voilà, on n'a pas d'erreur. On va venir maintenant dans la table voir si notre dans notre base de données, si on va voir si notre table a été créée ou non. On a ici forme. Si on va regarder la structure, on voit très bien notre clé primaire c'est ID, first name, last name, gender, birth date et email. On a bien créé notre table. Très bien. Alors, prochaine étape maintenant, c'est comment on va remplir ce formulaire. Très bien. Donc maintenant, on va aller dans notre fichier formulaire. Puis, si vous rappelez très bien, en fait, on va aller dans la fonction de soumission. Donc dans la fonction soumission, dans la dernière vidéo, dans la fonction soumission, on a tout simplement affiché les données. On ne les a pas enregistrées dans la base de données. Alors on va essayer de faire un test. Alors si on regarde la route, alors normalement la route c'est subscribe V2. Voilà, on a notre formulaire. Alors, first name Bennington.
Last name, Chester. Mail, date de naissance, 20 mars. Alors. Né. Mars 76. Chester at linkinpark.com. On sauvegarde et on voit par exemple ici que les données sont bien affichées, mais par contre sont pas n'ont pas été sauvegardées dans la table. Comment on va faire ça? Alors on va venir ici. Et on va tout simplement utiliser le service de base de données pour enregistrer nos données. Après, on peut voir en fait service-là, donc Database Overview. Donc là, on peut voir ici, on a mettre à jour, sélectionner. Peut se connecter à une base de données, insérer. Alors, comment on va faire? C'est simple. Alors, première chose qu'on va faire, c'est créer les valeurs qu'on va insérer. Donc là, on va créer un nouveau tableau que je vais appeler profile value et je vais tout de suite récupérer cette array que j'ai déjà utilisée. J'espère que je ne vais pas faire des erreurs. Alors, tac. Voilà. Par contre, ici, on va enlever ces zéros basses. Voilà. Ensuite, il faut se rappeler, on a ici une petite chose à modifier, c'est dans birthDate. Donc c'est en réalité c'est un string. Lorsqu'on le remplit depuis le formulaire, c'est un string. Donc il faut plutôt le convertir en entier. Donc on va utiliser la fonction PHP string_to_time. Time, je pense c'est juste. Alors, est-ce que c'est juste? Très bien. Ensuite, donc cette variable créée, maintenant, on va l'utiliser dans notre avec notre query. Donc, on va créer maintenant, on va utiliser le service database de pardon, de Drupal. Maintenant, on va créer notre query, notre requête. Insert. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on va insérer? On va insérer quoi? Réfléchissez un petit peu. On va insérer les données dans notre table. Donc cette table-là, ça va être celle qu'on a créée tout à l'heure. C'est forme 1. Ensuite, les champs qu'on va insérer, ce sont les champs qu'on vient juste de créer. Profile value. Et enfin, il ne reste que
à exécuter la requête. Tout simplement. Et enfin, on va ajouter ici si query plutôt. Si la requête est différente de nulle, alors on ajoute un message, Drupal, set message. Data saved par exemple. Cette fois-ci, on va mettre tout ça ici. Voilà. Très bien. Alors, on va tester, on va voir si ça fonctionne. Alors, on reteste cette fois-ci. Tonne, Chester. Date 1976. Chester, Linkin Park. Et là, on nous en dit data saved. On va vérifier dans notre base de données pour voir si ça a bien été sauvegardé. Et on constate très bien que la data a été bien sauvegardée. Voilà. Donc là, on a pu, grâce au service de base de données de Drupal, on a pu ajouter des données directement dans notre base de données. Donc là, on peut utiliser d'autres fonctions comme insert, update. C'est après à vous de voir en fait quelle requête est-ce que vous voulez utiliser. L'objectif encore une fois de ce petit tutoriel, c'est de vous montrer qu'on peut directement utiliser à partir de formes, on peut directement interagir avec la base de données. Très bien. Alors si on va récapituler rapidement. Alors, la première chose qu'il faut faire, bien évidemment, il faut créer son propre formulaire. Avant de créer le formulaire, pardon, il faut créer la structure de sa table. Après la création de la structure de la table, on crée le formulaire. Dans le formulaire, on a bien évidemment ici, on commence par l'ID du formulaire, ensuite par les différentes fonctions de validation. Donc ici, on crée le formulaire, puis on le valide et enfin, on soumet dans notre cas de figure, ça va être dans la base de données. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à les poser. Merci, au revoir.